ces éléments deviennent des témoignages. Tous ces éléments deviennent des raisons pour lesquelles on doit t'adorer. Éternel Dieu des armées, je te rends grâce. Combien d'hommes et de femmes donneraient tout ce qu'ils ont pour passer du temps dans ta présence. Mais tu nous fais grâce de compter parmi celles et ceux qui passent du temps dans ta présence. Que ton nom soit béni à tout jamais. Nous ne voulons pas aller plus loin sans prendre conscience du fait que tu nous fais grâce. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous t'acclamons, Père. Reçois nos cris de joie, Yahvé. Reçois nos cris de joie, papa. Je disais, reçois nos cris de joie. Les cris d'hommes et de femmes qui sont attachés à toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux saluer le champion, la championne qui est à tes côtés? Le champion, la championne qui est à côté de toi. Je demanderai à toutes celles et ceux qui sont au fond de s'approcher rapidement, que nous soyons tous ici. Ceux qui sont au fond pour rien, approchez-vous rapidement. Merci. Comment allez-vous ce soir? Amen. Tout va bien. Comment allez-vous ce soir? Tout va bien. Comment vas-tu ce soir? Tout va bien. Comment va ton onction? Tout va bien. J'ai dit, comment va ton onction? Mais ton tout va bien là, je l'aime pas, mon Dieu. Comment se porte ton onction? Tout va bien. Comment va ta chair? Hein? Comment va ton sang? Comment va ton esprit? Et par-dessus tout, comment va la foi en Jésus-Christ en toi? On acclame très fort le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour nous qui sommes là par la grâce de Dieu ici. Amen. Mais aussi celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct ou en différé. Nous savons que le Seigneur va leur faire du bien. Amen. Attends, amen, je l'accepte. Amen. Pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis également le Seigneur pour les nombreux témoignages que j'ai pu entendre au téléphone ou par message suite au message puissant qui a été donné hier. Amen. Le plus important n'est même pas la voix de l'orateur, mais le plus important est l'impact dans nos vies. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. C'est ça le plus important, chers frères et sœurs. Nous ne prêchons pas pour faire du sensationnel. Nous ne prêchons pas pour qu'il y ait des belles phrases. Mais nous prions pour que les vies soient transformées. Amen. Amen. Qui dit un bon amen. Amen. Je vous propose ce soir de continuer quelque part ce que nous avons commencé hier, attaché à Jésus-Christ seulement. Le texte, j'ai deux textes à vous proposer. Jean chapitre 15, encore une fois. Mais pour ce soir, nous lirons que le verset 5, Jean 15, verset 5. Et nous lirons également... pas l'évangile selon Jean, mais l'épître de Jean. 1 Jean 4, 17. Jean chapitre 15, verset 5 et 1 Jean 4, 17. Jean chapitre 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est Jésus qui parle, encore une fois. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. On peut répéter ensemble, car sans moi, vous ne pouvez rien. Une, deux, trois, on y va. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Encore une deuxième fois, on y va. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Une troisième fois, allons-y. Car sans moi, vous ne pouvez rien. 1 Jean, s'il vous plaît, chapitre 4, verset 17. C'est encore une fois notre ami l'apôtre Jean qui écrit ceci. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce
partie du verset qui m'intéresse. Je répète. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Père, ce temps, encore une fois, est le tien. Nous prions au Dieu afin que tu puisses nous conduire, afin que tu puisses nous parler encore une fois. Par le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons tous Amen. Amen. On va acclamer la parole de Dieu. Prenez place. Je ne pourrais pas revenir largement sur ce que nous avions dit hier. Qui était là hier? J'aimerais voir. Gloire à Jésus. Qui nous a rejoint ce soir? Gloire à Jésus. On peut acclamer les champions, les championnes qui nous ont rejoint ce soir. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. La majorité, nous étions déjà là hier. Gloire à Dieu, ça me permettra de pouvoir avancer un petit peu. Mais du moins, attaché à Jésus-Christ, hier, on a pas mal expliqué pourquoi est-ce que nous parlons de ce grand thème. Le but, j'ai dit hier que il y avait, on va dire, quatre buts de ce grand thème. Numéro un, de susciter des chrétiens qui sont focalisés sur Christ avant tout, avant les déceptions, avant leurs ambitions, avant les hommes, avant leur famille, avant toutes ces choses qui sont peut-être très bonnes. Le chrétien doit être focalisé sur Christ. Amen. D'ailleurs, à quoi bon s'appeler chrétien si au final, nous sommes focalisés sur autre chose que la chose même qui fait que nous sommes appelés chrétiens? Je m'explique. À quoi bon être appelé chrétien? Parce que dans chrétien, il y a Christ. Chrétien, c'est Christ en minuscule. Quelqu'un m'entend? Amen. Alors, à quoi bon se faire appeler chrétienne, chrétien, si au final, le nom même que nous portons, nous ne sommes pas concentrés là-dessus? À quoi bon être appelé français, française, mais si au final, la France, je n'ai que faire de celle-ci? Le drapeau français, ouf, alors l'hymne national. À quoi bon se faire appeler d'un pays si au final, tout ce qui concerne ce pays ne nous concerne pas? Vous m'entendez? Amen. Alors, si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons être des hommes et des femmes focalisés sur Jésus-Christ. Amen. Amen bien. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous parlons de Jésus-Christ, attaché à Jésus-Christ, c'est un appel à la maturité, un appel à la croissance, un appel au développement. Car nous voulons rester centrés sur Jésus-Christ. Et tu dois comprendre qu'une personne qui arrive à être concentrée sur quelque chose, c'est une personne qui est mature. Je vous ai dit, un enfant, le propre d'un enfant, c'est que tout le temps, il est distrait. Il aime quelque chose, mais de courte durée. J'ai remarqué même que lorsque mes enfants utilisent mon téléphone, les vidéos qu'ils regardent, vous verrez qu'ils ne regardent jamais une vidéo plus de 2 minutes. 2 minutes, ils regardent une vidéo, ils passent à autre chose. Ils regardent Johnny Yo, papa, nanana, 2 minutes, et après, ils passent à autre chose. Ils regardent, je ne sais pas quoi, ils regardent 2 minutes, après, ils passent à autre chose. D'autres, parfois même, à peine 30 secondes. Pourquoi? L'enfant est toujours distrait. Nous voulons des chrétiens, hommes et femmes, qui sont concentrés. Un chrétien concentré, c'est un chrétien mature. Amen. Un chrétien qui arrive à mettre de côté toute forme de distraction, mais qui reste focalisé sur Jésus, c'est un chrétien mature. Amen. Troisième chose, troisième but que nous voulons atteindre, c'est de savoir que c'est Christ d'abord, les conséquences après. Répète après moi, Christ d'abord. Christ d'abord. On va, Christ d'abord. Les conséquences après. Les conséquences après. Par ça, nous voulons dire, mes amis, Christ d'abord, le mariage après. Christ d'abord, les ambitions après. Christ d'abord, l'onction après. Christ d'abord, le ministère après. Christ d'abord, les habits après. Christ d'abord, l'argent après. Christ d'abord, et tout ce qui est après. Ça viendra dans un deuxième temps. Matthieu 6, verset 33 dira, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. On voit clairement qu'il y a des choses qui sont prioritaires et d'autres choses qui sont secondaires. Malheur à toute personne qui croit que l'argent vient d'abord avant Christ.
Malheur à toute personne qui croira que sa femme est prioritaire face à Christ. Ta femme peut te décevoir. Amen. Amen. Ton fiancé peut te décevoir. Tes enfants peuvent te décevoir. Ton patron peut te décevoir. Tu te bats pour ta société, pour que vous puissiez gagner des marchés. Au moment où vous gagnez, on te dit, c'est bien, nous avons fait ton travail, mais sache que le marché pour lequel tu t'es battu, c'est pas toi qui vas le gérer, c'est quelqu'un d'autre. Déception. Mais Jésus ne déçoit jamais. Alléluia. Jésus ne déçoit jamais. Amen. Aidez-moi à prêcher au micro, s'il vous plaît. Quatrième chose, c'est que nous voulons revenir à la base de la vie chrétienne. Dire attaché à Jésus-Christ, c'est également donc un cri, un désarroi, où nous nous disons que en ces temps de la fin, non pas que prêcher toute autre chose ne serve à rien, je ne peux pas dire ça, qui suis-je ? Mais j'ai une conviction, c'est que le retour de Christ est tellement proche, c'est qu'il faut un peu, pas un peu, beaucoup même, mettre de côté tout ce qui vient après, le rechercher premièrement. Si on dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, c'est qu'il y a des choses que tu vas chercher en deuxième, troisième, quatrième. Car il n'y a pas de premier s'il n'y a pas de deuxième. Amen. Et le timing que nous avons, la saison, la génération dans laquelle nous vivons est tellement proche du retour du Seigneur. Je vous disais hier que tous nos pères dans la foi ont prêché le retour de Christ. Mais il se peut qu'avant notre mort, nous puissions la vivre. Alors en ces temps-là, bien-aimés, tu ne peux pas prêcher les choses qui sont secondaires. On ne peut pas prêcher les choses qui viennent en troisième, quatrième, cinquième position. Nous devons prêcher ce qui vient en premier. Nous devons prêcher ce qu'il y a de plus important. Je pense à un pays qui est en guerre. Vous verrez qu'on parle, quand un pays est en guerre ou en embargo, on parlera des denrées alimentaires, des denrées primaires. Le riz, les pâtes, l'eau potable. Vous m'entendez ? Amen. Pourquoi ? Car ce sont ces choses qui permettent à l'homme de rester debout. Il y a des sucres lents, il y a des féculents. À ce moment-là, chers frères, chères sœurs, dans ces pays-là qui sont sous embargo, qui sont en guerre, on ne cherche pas le restaurant 4 étoiles. On ne cherche pas à ce que la nourriture soit bien mijotée, bien assaisonnée. On ne cherche pas ça. Vous verrez même dans certains cas, on ne cherche pas la viande. Car bien sûr, la viande te donne des protéines. Mais ce qui permet que tu tiennes debout, c'est le sucre lent et le féculent. Amen. Quelqu'un m'entend ? Amen. Alors vous devez savoir qu'en ces temps de la fin, justement, nos messages doivent être stratégiquement choisis. Malheur à tout prédicateur qui vient prêcher les choses secondaires alors que Jésus est à la porte. En d'autres termes, malheur à tout prédicateur qui prêche le mariage alors que ce n'est pas le mariage qui sauve, c'est Jésus. Amen. D'ailleurs, même si tu as dans le mariage, ton mariage sans Jésus, c'est chaos. Amen. Ton amen, je n'aime pas. Amen. Pour qui ? C'est la deuxième question qu'on s'est posée hier, pour tout le monde. Ce message est pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, les chrétiens, mais également les responsables, c'est pour nous tous. Ce message d'attacher à Jésus-Christ n'est pas seulement pour un type ou une catégorie de personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, oh c'est bon, ça, ce sont des cours d'affermissement. L'évangéliste, qu'est-ce qu'il prêche là ? Ça, ce sont des choses qui ne sont pas pour nous. Malheur à quiconque qui croira être debout. La Bible dira que celui qui croit être debout veille à ne pas tomber. Sans le savoir, tu peux tomber. Amen. Parlant en langue, tu peux tomber. Prêchant avec puissance, tu peux tomber. Car au final, sur le chemin, tu as oublié même la personne qui t'a envoyé. Quelqu'un comprend ce que je dis là ? Amen. Soyons très vigilants.
à savoir la raison pour laquelle on a commencé, à savoir ce pourquoi nous sommes partis, à savoir ce pourquoi on a dit j'arrête le monde. Et là, j'aimerais parler peut-être à celles et ceux qui, ça fait peut-être 4, 5, 6 ans, 10 ans peut-être, où tu te dis, je ne peux même pas compter le nombre d'années depuis lesquelles je suis chrétien. Première question, es-tu sûr que tu es chrétien? Deuxième question, es-tu sûr que tu es encore chrétien? Ou est-ce que tu penses que le fait de venir à l'église tous les dimanches, ça fait de toi un chrétien? Ou est-ce que tu penses que le fait que d'avoir le numéro personnel de l'évangéliste, ça veut dire que tu es chrétien? Je peux considérer que tu es un bon chrétien, une bonne chrétienne, mais sache que je n'ai pas le baromètre de la vie chrétienne en moi. Je ne suis qu'un homme. Je serai pesé de la même manière que tu seras pesé. Amen. Vous m'entendez? Amen. On passe rapidement. Hier, on s'est vraiment évertué. On a même montré des images de cette belle métaphore que Jésus nous donne entre le cèpe et le sarment. Le cèpe qui est au final l'ensemble de feuillage, le tronc, les racines, etc., qui donne plus tard le fruit. Et pour gagner du temps, on a dit que le plus important pour le chrétien était d'être accroché à Jésus-Christ pour pouvoir donner du fruit. Car toute personne qui veut donner du fruit, du moins tout fruit qui veut apparaître, doit être d'abord accroché au tronc d'arbre. Et nous avons dit que de la même manière que dans tout arbre, il y a la sève qui permet de donner du fruit, notre sève à nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Du coup, je me souviens même de ce verset qui dira, voici le fruit de l'Esprit. On ne dit pas le fruit de la parole, on ne dit pas le fruit de la puissance, mais on dit le fruit de l'Esprit. Si tu m'entends, dis-moi un bon amen. 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 Et une troisième question est montée dans mon cœur, c'était de dire, mais qui est Jésus-Christ? Et hier, nous avons chuté en disant que Jésus-Christ, numéro un, il est amour. Et ça, mes frères et sœurs, n'écoutez pas tout charlatan, je pèse mes mots, qui vous présente un Jésus-Christ méchant, qui vous présente un Jésus-Christ ouin, qui vous présente un Jésus-Christ puissant, qui vous présente un Jésus-Christ qui fouette les commerçants dans le temple, mais qui ne vous présente jamais un Jésus-Christ qui aime. Ça, c'est autre chose, ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. Le Jésus que nous présente la Bible, avant toute chose, il est amour. Amen. Vous m'entendez? Amen. Avant toute chose, le Jésus-Christ que la Bible nous montre, il est amour. Un Jean que nous venons de lire dira, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si Jésus-Christ était amour, tu dois être amour. Amen. Oh. Amen. Si Jésus-Christ est amour, nous devons nous tous être amour. Amen. Et dans l'amour, je l'ai dit hier, il y a le pardon. Il y a le pardon. Dans l'amour, il y a plusieurs choses. Mais ce qui est monté dans mon cœur, selon l'esprit, c'était d'abord le pardon. Après l'amour, qui est Jésus, j'avance ce soir. Jésus-Christ représente la crainte de Dieu. Tu peux dire avec moi la crainte de Dieu. Il va plus fort, la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, nous voulons des chrétiens et des chrétiennes qui sont capables d'avoir la crainte de Dieu malgré les épreuves. J'ai dit, malgré tout, je crains Dieu. Oh, je cherche des Joseph. Qui même lorsqu'il est dans la maison de Potiphar, que la femme de Potiphar, on croit comprendre que cette femme était bête de taille et bête de figure, mais malgré tout, Joseph a été capable de lui résister. Nous cherchons des chrétiens qui parlent de, en dépit de tout, en dehors de toutes les tentations, en dehors de toutes les épreuves, en dehors de tout ton caractère qui se dit « Je reste dans la crainte de Dieu ». Oh, alléluia. Mes frères et sœurs, dans ces temps que nous vivons, les chrétiens seront combattus de partout. Au travail, tu seras combattu. À la maison, tu seras combattu. J'insiste, même à l'église, tu seras combattu. Oh, comment ton amen ne sort pas? Même à l'église, tu seras combattu. Et il faut que malgré tout ça, tu sois capable d'être dans la crainte. Les circonstances viennent, je reste dans la crainte. Les pharisiens comme Jésus-Christ viennent pour m'attaquer, pour tout faire pour que je sorte de mes goûts, je reste dans la crainte. Bien me relie, je reste dans la crainte de Dieu. Judas m'a vendu, je reste dans la crainte de Dieu.
On me combat de partout. Je reste dans la crainte de Dieu. À Nazareth, là où je viens, personne ne croit en moi. Je reste dans la crainte de Dieu. Que nos chrétiens qui, pour X ou Y raison, toujours au lendemain, ils se disent, c'est bon, j'arrête. J'étais déçu. Et les mêmes chrétiens, chrétiennes que tu retrouves à l'église, pour X ou Y raison, je ne suis pas là pour dire ces raisons sont valables ou elles ne sont pas valables. Car bien aimé, il y aura toujours des raisons pour te faire pécher. Mais vous verrez qu'il y a des certains qui chantent, qui servent, qui prêchent, qui font tout ce que vous voulez. Mais lorsque la tentation vient, ils tombent. Où sont les Joseph qui sont capables de dire, malgré la tentation de la femme de Potiphar, je reste dans la crainte. Malgré le fait que mes frères m'aient vendu, je reste dans la crainte. Malgré le fait que je suis devenu un esclave, je reste dans la crainte. Malgré le fait, Joseph, encore une fois, que je suis injustement en prison, hébreu en Égypte, dans un pays étranger. Joseph était, si vous ne le savez pas, un sans-papier. Joseph était l'un des premiers migrants que vous voyez à la télé. Joseph était un migrant. Migrant même, c'est bien, parce que quand ils arrivent ici, il y a les assistantes sociales, doyen, qui prennent ton nom et ton prénom. Vrai ou faux prénom, mais c'est ton prénom. Vrai ou fausse date de naissance, c'est ta date de naissance. J'ai entendu parler d'une histoire d'un, j'ai sa nationalité, de quelqu'un qui est parti en Hollande, quittant un pays d'Afrique. Il est arrivé en Hollande. Là-bas, il a dit, il avait 24 ans, mais il a dit qu'il a 12 ans. Les Hollandais, je ne sais pas quel esprit, l'aveuglement, ils l'ont cru aussi. Il a été adopté dans une famille d'accueil. Dans cette famille d'accueil, il y avait le papa, la maman. Il n'enfantait pas, je ne sais pas s'il n'enfantait pas, mais il n'avait pas d'enfant. Et frères et sœurs, on se rend compte que 9 mois plus tard, la maman accouche. Elle accouche d'un enfant métis. Papa blanc, maman blanc, le garçon adopté est noir. Mais il a 12 ans. Il y a des histoires. Raison pour laquelle vous verrez que, et j'ouvre une parenthèse que je ferme, maintenant en Hollande, je ne sais plus s'il continue encore, mais en Hollande, lorsque tu viens pour demander l'asile, tu donnes ton nom, tu donnes ton prénom, tu donnes ton âge, tu donnes ton lieu et date de naissance. Avant qu'on te donne une quelconque situation administrative, on te fait d'abord le test des os. Car tu peux mentir par la bouche, mais tes os vont toujours révéler la date à laquelle tu es né. Donc si tu as menti, fais attention. Qui dit amen. Mais Joseph n'a pas une assistante sociale qui est arrivée là. Croix-Rouge, vous êtes arrivé en Égypte, bienvenue. Nous sommes là pour vous aider. Joseph n'a pas eu tout ça. Joseph, sachez qu'il était en prison. Le pharaon ignorait qu'il était là-bas. Vous me suivez? Amen. Mais même en prison, Joseph est resté dans la crainte. Oh, je veux des hommes et des femmes qui, malgré le manque d'argent, ils restent à la crainte de Dieu. Malgré le fait qu'à la maison, ça ne va pas, je reste à la crainte de Dieu. Malgré que tout le monde m'insulte, je reste dans la crainte de Dieu. Même si tout le monde tourne sa veste contre moi, je reste dans la crainte de Dieu. Même si tout le monde est contre moi, je reste dans la crainte de Dieu. Mon cœur est blessé. Je saigne, oui, je pleure, mais je reste dans la crainte de Dieu. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Il y a des problèmes, je ne vois même pas par où commencer. D'où viendra la solution? Mais je ne laisse pas mon cœur partir dans le péché. Je ne laisse pas mon cœur partir hors de la crainte de Dieu. Qu'il pleure, qu'il neige, je reste dans la crainte. Donc, un plus fort amen que ça. Amen. Hébreux 4, verset 15 dira: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est la partie qui m'intéresse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Hébreux 4, 15 nous fait comprendre donc que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Vous m'entendez? Amen. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. C'est-à-dire que toute tentation que tu as, Jésus l'a déjà eu. Amen. Ton amen, je ne l'aime pas. Amen. Jésus a été tenté en toutes choses.
C'est-à-dire, toi, jeune fille, toi, jeune garçon, qui quand tu vois quelqu'un, tu sais que s'opposer, tu sens une électricité qui te traverse, tu te dis, oh, c'est le boss que j'aime. En plus, il a les tablettes de chocolat. En plus, il est comme ça. Moi, j'aime trop les biceps, les triceps. Ça se voit. Il est comme j'aime. Sache que Jésus a été tenté comme toi. Si Jésus a résisté, tu dois résister. Amen. Ton ami ne gère pas aujourd'hui. Amen. Mes amis, Jésus a été tenté en toutes choses. Amen. Il n'y a rien que tu vis que Jésus n'a pas vécu. J'aimerais faire le lien entre ces deux versets. Un, tel il est, tel nous sommes. Deux, Jésus a été tenté en toutes choses sans péché. Ça veut dire, si Jésus a su écraser la tentation, tu dois écraser la tentation. Amen. Si Jésus a écrasé la cupidité, l'amour de l'argent, tu dois aussi écraser l'amour de l'argent. Si Jésus a écrasé l'impudicité, tu dois écraser l'impudicité. Si Jésus a écrasé l'orgueil, tu dois écraser l'orgueil. Ton amen, je l'aime pas. Parce que je prêche à la bonne église ce soir. Tu dois être capable. Tel il est, tel nous sommes. Et il a été tenté à toutes choses. C'est-à-dire, mes amis, il n'y a rien que tu trouveras sur ton chemin que Jésus n'a pas croisé. Ou quelqu'un dira, évangéliste, Jésus n'avait pas Facebook. Oui, d'accord, je ne suis pas contre toi, mais de la même manière, toi, tu n'as pas vécu en Galilée. Alors, tu as des circonstances atteignantes, mais lui aussi avait des circonstances atteignantes. Mais quoi qu'il arrive, en 2019, comme à l'an 33, le péché reste le péché. Amen. Dans la main, vraiment, ce soir, j'ai le Amen. Troisième chose, j'avais hâte d'arriver à cette partie. Qui est Jésus? Jésus, c'est la puissance. Amen. Et là, souvent, moi, j'aimais insister sur ça. Tel il est, tel je suis. Si Jésus est puissant, moi aussi, je suis puissant. Amen. Ouvre bien, prête-moi bien tes oreilles. Ce que je vais dire là est bien plus important que tout cours sur les démons que tu peux recevoir. Ce que je vais dire à l'instant est bien plus important que tous les enseignements sur les liens de famille. Tu dois savoir qu'en Jésus-Christ, il y a le libérateur, il y a le guérisseur, il y a le lion de la tribu de Judas, il y a Jéhovah Jiré, il y a Emmanuel, Dieu est parmi nous, il y a El Sabaoth, le Dieu qui combat, il y a Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha, il y a le Dieu qui guérit, le Dieu, j'insiste encore, Emmanuel, Dieu est parmi nous, je suis sous l'eau, Dieu est avec moi. Je suis dans l'avion, Dieu est avec moi. Je suis au travail, Dieu est avec moi. Partout où je vais, Dieu est avec moi. Quand j'ai froid, il est celui qui me couvre. Quand j'ai chaud, il est celui qui me restaure. Quand je suis petit, il est celui qui me lève. Quand j'ai la trop la grosse tête, il est celui qui me rabaisse. Mais il me rabaisse quand on est tous les deux, pas devant, alléluia. Pas devant les gens, il fait ça quand on est tous les deux en secret. Quand je n'ai pas quelqu'un envers qui je peux confier mes secrets, justement, lui, il est là pour écouter mes secrets. Je vous ai dit dimanche, Jésus n'est jamais parti répéter le secret que moi je lui ai dit. Amen, j'aime pas. Bien aimé, maintenant tout ce Jésus-là que je viens de dire, frère, il n'est pas en quelqu'un d'autre, il est en toi. Amen. Vous comprenez ce que je dis là? Amen. Ce Jésus dont je parle, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans les airs. Il est en toi. Bien aimé, quand tu comprends ça, d'un coup, toi, quel nom je dois dire ça? D'un coup, tu restes toi, mais tu te sens fort. Amen. Hein? Donc, tu restes toi. Tu sens qu'il est en toi. Bien aimé, le Jésus dont je parle, ce n'est pas un film, il est en toi. Amen. J'ai dit, il est en toi. Amen. Je répète, il est en toi. Amen. Touche un peu Jésus en toi, touche un peu Jésus en toi. Il est en toi, bien-aimé. Vous m'entendez? Bon, maintenant, quelqu'un comme ça, est-ce qu'un sorcier peut le manger? Non. Est-ce que les liens de famille peuvent le toucher? Est-ce que le célibat peut le prendre? Est-ce que la pauvreté peut le prendre? Est-ce que les problèmes d'argent peuvent le toucher? Je te dis, ce Jésus-là, il est en toi. Prends-toi au sérieux, bien-aimé. Il est en toi. Je répète, il est en toi. Tu te sens fort. D'un coup, tu te sens fort. Là où tout le monde se sent faible, toi, tu dis, ça, c'est vous.
Jésus est en moi. Amen. Bien-aimés, vous lisez la Bible. Vous verrez qu'à certaines parties, on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais à d'autres parties, on dit si quelqu'un est en Christ. Donc, on dirait la Bible se contredit. Christ en nous, mais en même temps, si quelqu'un est en Christ. C'est comme si Christ est en moi et moi, je suis en Christ. Ton âme ne vient pas. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on voit Christ, on me voit. Amen. Je ne suis pas toi, mais j'ai dit, quand on voit Christ, on me voit. Amen. Mais également, quand on me voit moi, on voit Jésus. Amen. C'est-à-dire, tout ce que Jésus a fait moi, si je peux le faire. Amen. Jésus a marché sur les eaux, je marcherai sur les eaux. J'ai dit, Jésus a marché sur les eaux, je marcherai sur les eaux. Jésus a chassé les démons, je dois chasser les démons. Amen. Jésus, c'est la puissance. Oh, mes amis, Philippiens nous apprend qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, aucun nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre, j'ajoute encore sous les eaux, j'ajoute encore que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, oh les démons du Togo, oh les démons d'Haïti, oh les démons de France, oh les roses croix, oh les chinois, oh etc. Et tous qui doivent fléchir devant un seul nom, le nom de Jésus. Maintenant ce Jésus-là, il n'est pas arrivé en moi. Permettez-moi d'insister. C'est comme si vous voyez un être humain, il a l'air lambda, il a l'air standard. Un joueur de foot que lorsque tu le vois marcher, tu te dis, c'est un joueur comme tout le monde. Mais essaye seulement de lui donner le ballon. Essaye seulement, toi arbitre, essaye seulement de siffler le coup de sifflet disant le match a commencé. Essaye seulement, c'est la même chose pour nous. Tu peux nous voir comme ça, chrétien, chrétienne. On vient tous les lundis, on vient tous les mardis, on vient tous les dimanches, on vient tous les mercredis à l'église. Tu te dis, oh, voici des vauriens, voici des personnes qui ont raté leur vie. Toi sorcier, essaye de me manger. Je dis, essaye seulement, essaye de manger un chrétien. Tu verras tes affaires. Ha. Et là, j'aimerais parler à toutes les personnes qui sont souvent paniquées par des rêves, des songes, des prophéties, par toutes ces choses qui, au final, au lieu de t'exhorter, te font plus peur qu'autre chose. Amen. Quelqu'un est là ce soir? Amen. Ce Jésus dont je parle, il est en toi. Amen. Ce Jésus dont je prêche là, il est en toi. Amen. Il n'est pas en quelqu'un d'autre. Il est en toi. Et mon travail en t'annonçant, attaché à Jésus-Christ seulement, c'est que tu comprennes que ce Jésus-Christ-là, il est en toi. Bien-aimé, tu vas chez le médecin, il te donne le médicament contre le cancer, il te donne le médicament contre la dépression, il te donne le médicament contre le maux de tête, il te donne ceci, oh tu as mal au dos, oh tu as mal au ventre, voici, voici, voici. C'est comme si maintenant, tu vas chez le médecin, il te donne qu'un seul médicament. Il te dit Jésus-Christ. Amen. Amen. Un seul qui guérit tout. Amen. Tu dis, oh mais docteur, là je voyage, je dois prendre des vaccins contre le palais. Tu dis, oh Jésus seulement. Bien-aimé, Jésus non seulement guérit toute la maladie, mais il a vaincu la mort. Amen. Alléluia. J'ai dit, Jésus non seulement il a vaincu toute maladie, mais il a vaincu la mort. La parole de Dieu dira, il a dépouillé toutes les autorités. Mais ce Jésus-là, j'insiste là-dessus, il est en toi. Amen. Oh, je vous ai dit tantôt, nous voulons que l'Église élève son niveau. Frère, à partir de ce message, si tu comprends ce que je dis, il y a certains problèmes pour lesquels tu ne vas plus m'appeler. Amen. Amen. Ton amen. Envoie ton amen. Amen. Il y a certaines situations pour lesquelles tu ne vas plus m'appeler. Le Jésus que j'ai n'est pas différent que ton Jésus à toi. Amen. Oh, vous m'entendez? Amen. Le Saint-Esprit que j'ai n'est pas différent que le Saint-Esprit que tu as. Le Saint-Esprit dont je parle là, c'est le même Saint-Esprit que toi tu as. Il n'est écrit nulle part. Voici les miracles qui accompagneront les évangélistes, les pasteurs, les prophètes et les autres. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Fais un sondage. Je regarde, qui a cru ici? Qui a cru ici? Tu as cru? Tu peux chasser les démons. Tu as cru? Tu peux vaincre les sorciers. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Tu as cru? Il suffit que je cherche. C'est la seule question. Qui a cru? Qui a cru en Jésus? Tu as cru? Les démons ne peuvent rien sur toi. Tu as cru? La faiblesse ne peut rien sur toi. Tu as cru? Le célibat. J'insiste. Toutes les célibataires. Le célibat ne peut rien contre vous. Alléluia.
tu comprends ça, c'est plus important que tous les liens des démons. C'est plus important que toutes les maladies ancestrales. C'est plus important que toutes les maladies psychosomatiques. C'est plus important que tout cela. Gagnons du temps, prêchons Jésus. Amen. J'ai dit gagnons du temps, prêchons Jésus. Amen. Je répète encore, gagnons du temps, prêchons Jésus. Amen. Jésus, c'est la puissance. Amen. Touche ton voisin, dis Jésus, c'est la puissance. Jésus, c'est la puissance. Dirige tous, là. Jésus, c'est la puissance. Jésus, c'est la puissance. Regarde tes mains. Regarde tes mains. Regarde tes mains. Dis main. Main. Dis main droite. Main droite. Et toi, main gauche. Et toi, main vous avez assez chômé. À partir de maintenant, vous devez chasser les démons. Vous devez ressusciter les morts. Dis amen, toi écoute. Tu ne parles pas bien, mais dis amen, toi écoute. Il est temps qu'à partir de maintenant, tu chasses les démons. Tu fasses marcher les paralytiques. Que les sorciers fuient. Parce qu'ils t'ont vu toi. Parce qu'ils t'ont vu toi. Et parce que dans toi-même, il y a l'onction du Saint-Esprit. Il y a l'onction du Saint-Esprit. On y va. Commence à battre, battre. Attise le feu. Attise le feu. Attise le feu. Mes amis, si l'Église comprend ces choses, nous allons gagner du temps. Amen. Je t'assure, il est temps d'élever nos standards. Il est temps d'élever nos standards. Quelle est cette personne qui, lui-même policier, va l'appeler un autre policier alors que le voleur est rentré chez lui? Le temps que tu appelles le policier, alors que toi-même tu es policier, le voleur va tout prendre, il va partir. Alors que toi-même tu es policier, tu as les armes, tu as le droit de porter l'arme aussi chez toi, tu as le droit d'ouvrir le feu. Comment appeler un autre policier? Oh, j'aimerais revoir les choses et mettre les choses à leur place. Suis-je en train de dire que vous devez négliger nous, vos pasteurs? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais tu dois savoir, chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. Amen. Le seul qui est au-dessus de toute chose, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangéliste prospère. Amen. Amen. Mon Saint-Esprit, c'est ton Saint-Esprit. Amen. Oh. Amen. Je vous ai dit lorsque j'ai prêché il y a 2-3 dimanches, que mes amis, avant un entretien, prie toi-même. Amen. Prie toi-même. Repasse ta chemise toi-même. Impose la main sur ton dossier toi-même. La puissance que j'ai, tu l'as aussi. Amen. Maintenant, la différence est la suivante. C'est que j'en ai plus conscience que toi. Mais j'insiste beaucoup, je vous ai déjà dit, prenez-vous au sérieux. Le Jésus que tu portes n'est pas un Jésus à moitié. Non, c'est toi-même qui le fais diminuer. Ce Jésus, il n'est pas Jésus à moitié ou à 90%. C'est le Jésus pleinement Jésus. 100% Dieu, 100% homme. Le lion de la tribu de Juda. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Shammah, la bannière. Jéhovah le Shiloh, la paix de Dieu. La justice du Seigneur. Lorsqu'il parle, personne ne peut parler. Quel est cet animal qui va parler lorsque le lion rugit? Tu vois, ton ami est timide. Parce que tu te dis une gueule. C'est qui? Oh. 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 À partir de maintenant, entraîne-toi à chasser les démons. Amen. Quand vous devez savoir, tout bon buteur est quelqu'un qui s'est déjà entraîné à mettre des buts à l'entraînement. Amen. J'aime dire à mes filles et mes fils que nous préparons pour commencer à prêcher. Je leur dis, voyez-moi, toutes les prédications que je vous prêche, j'ai déjà prêché ça tout seul, dans la rue, comme un fou, dans ma tête. Je leur dis tout le temps, si les désodorisants des toilettes pouvaient parler, ils diraient, mais là, tout ce que vous entendez là-bas, on a déjà entendu ça il y a longtemps. Donc là, comme je suis, personne ne peut m'impressionner, car c'est des choses que j'ai déjà répétées depuis longtemps. Je ne fais que dérouler mes répétitions. Amen. Vous m'entendez? Amen. Entraîne-toi à prier à haute voix. Entraîne-toi à parler avec autorité. Entraîne-toi à parler en étant sérieux. Entraîne-toi à faire ces choses. Car le jour où l'occasion se présentera, tu ne dois pas la louper. Amen. Je dis, tu ne dois pas la louper. Amen. Je répète, tu ne dois pas la louper. Amen. Mes amis, nous ne sommes pas capables d'aller partout où vous allez. C'est impossible. Pourquoi, réfléchissez un peu, pourquoi les chrétiens des Actes des Apôtres étaient beaucoup plus prolifiques? Pourquoi ils portaient beaucoup plus de fruits?
pour la simple et bonne raison qu'ils étaient plus matures. Étant donné qu'ils étaient concentrés sur Jésus-Christ, ils savaient que ce que Pierre et les autres sont en train de faire, si moi aussi je prie le même Jésus, Jésus-Christ est capable de faire en moi ce qu'il fait avec Pierre. Amen. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en Galilée. Il se passe ce qui se passe. La tourmente commence. La persécution des chrétiens commence. Ils décident, ils disent non, nous n'allons pas rester à Jérusalem. Éparpillons-nous. Et vous verrez que chacun où ils sont partis, chacun a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Mais toi, si demain tu arrives ici, on dit le bâtiment est fermé. L'église n'ouvrira plus jamais. Je te pose la question. Est-ce que ce n'est pas toi qui vas retourner dans les boîtes de nuit? On est entre nous, dis-moi la vérité. Est-ce que ce n'est pas toi qui vas retourner dans les mêmes choses que tu avais arrêtées? Est-ce que ce n'est pas toi qui vas repartir, reprendre des joints que tu avais dit, j'arrête maintenant, je sers Jésus? Est-ce que ce n'est pas toi qui vas dire, ah non, c'était une preuve que c'est une fausse affaire? Qui m'entend? Amen. Lorsque tu es focalisé sur Christ, comme j'ai dit tantôt, tu restes focalisé sur lui malgré les épreuves, mais tu as conscience que le Jésus dont nous parlons, il est en moi. Permettez-moi d'équilibrer ce que je raconte. Avoir Jésus en soi, avoir la puissance en soi, ne veut pas dire qu'on va négliger les pères, car les pères restent des pères. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Un père reste un père. Vous verrez que le grand apôtre Paul, je crois si ma mémoire est bonne, on lit ça dans 1 ou 2 Corinthiens, il dira qu'au moment où il a reçu Christ, il est resté 3 ans aux pieds des apôtres, qu'il appelle lui-même des colonnes. Et on voit qu'il est parti ensuite, ils ont prié pour lui pour qu'il aille commencer l'œuvre. Mais ayant commencé l'œuvre, il est revenu encore. Voilà ce qu'il appelle les colonnes. Jacques, Jean et Pierre, il dit, voici les colonnes de l'évangile. Et il dit, voici, ils m'ont reconnu, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ils m'ont reconnu, eux sont apôtres des juifs et moi je suis apôtre des païens. Bien sûr, il s'est dit, l'onction de Paul, l'onction de Pierre, pardon, le Jésus de Pierre, c'est aussi mon Jésus. Mais il s'est dit, quoi qu'il arrive, Pierre était dans cette affaire de Jésus avant moi. Alors si je veux être légitime, Pierre doit me reconnaître. Vous m'entendez? Avoir Jésus en soi, c'est le fait de se dire, avant nous, il y avait des personnes qui étaient là sur ce chemin. Alors comme il y a des personnes qui étaient là sur ce chemin, je ne peux pas avancer en les bousculant. Je dois suivre le chemin que eux-mêmes ont tracé. Pourquoi un chrétien ne dit pas amen? Tu dois comprendre ces choses. Vous savez pourquoi je dis ça? J'aimerais prévenir avant de guérir. Du moins, j'aimerais prévenir pour ne pas guérir, justement. Car, frères et sœurs, après ces 12 jours, pour ne pas dire même avant la fin de ces 12 jours, il y a des personnes qui vont sentir des choses qu'ils n'ont jamais senties auparavant. Amen. Tu arrives à Carrefour, à la caisse, un enfant fait une crise d'épilepsie. Toi, tu es à côté, tout le monde est paniqué, le vigile. Toi, tu viens, tu tiens juste la main de l'enfant. Tu n'as pas besoin de crier, tu dis juste au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est comme si en plein carrefour, en pleine fin de journée, le soleil est arrivé. L'enfant qui était en train d'être épileptique, d'un coup la respiration devient normalement. Et on se dit, mais monsieur, madame, qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes marabout, vous êtes guérisseur, vous êtes sorcier. Tu dis, que nenni, c'est Jésus qui l'a guéri. Amen. Alors, il ne faudrait pas que quand ces choses vont se manifester, tu te dises, oh, c'est le même Jésus que nous avons. C'est la même puissance, l'homme de Dieu l'a dit lui-même. Alors, étant donné qu'il y a la même puissance, lui et moi, nous sommes égaux. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'égaux. Amen. Oh. Amen. J'ouvre une parenthèse que je ferme. Il est écrit que certains auront des couronnes, d'autres n'en auront pas. Et d'autres auront des couronnes avec des joyaux. Amen. Comment quelqu'un a une couronne avec un joyau, d'autres, l'autre n'a pas de couronne, l'autre a une couronne sans joyau? Et c'est qu'il y a une différence. Amen. Mais tout le monde a une différence, il y en a. Amen. Il y a une différence. Amen. C'est pas la même chose. Dans le royaume des cieux, tout le monde n'a pas la même taille. Amen. Vous m'entendez? Amen. Et c'est la même chose dans les cieux et ici-bas également sur terre. Amen. Tu dois savoir que Paul, tout son ministère, reconnaîtra pour que ses yeux s'ouvrent. Il y a d'abord eu un Ananias qui a prié pour lui. Vous m'entendez? Amen. Alors j'aimerais prévenir ces choses.
dès maintenant, pour que quand ça va se manifester, que l'excès de zèle ne soit pas ton partage. Amen. Mais que tu te dises, ah si j'ai compris ces choses, et que ces choses se manifestent aujourd'hui en moi, c'est que d'abord, il y a eu des personnes qui m'ont enseigné. Amen. Or, la main qui nous a donné du pain, on ne l'a plus jamais. Amen. Pourquoi? Ah. Amen. Quatrième chose. Jésus-Christ sait faire la volonté de Dieu. Répète après moi la volonté de Dieu. Encore une fois, la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, vous devez savoir qu'un chrétien mature, mûr, c'est quelqu'un qui craint une seule chose, c'est d'avancer sans Dieu. Amen. Suis-je en train de dire que je suis plus mûr, plus mature que qui que ce soit? Non. Mais j'arrive à un stade pour vous dire vrai. Ayant vu plusieurs qui ont bien commencé et qui ont mal fini, j'en arrive à avoir peur. Honnêtement, je vois moi-même par la grâce là où Dieu est en train de m'amener. Tu dois savoir, tu es dans une église où Dieu nous amène quelque part. Amen. Oh. Amen. Amen. Vous m'entendez? Amen. Donnez-nous un peu de temps par la grâce de Dieu et vous verrez. Vous verrez, pas vous verrez parce que l'évangéliste a dit, mais vous verrez parce que Dieu a dit. Amen. 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 Le prophète meurt, mais la prophétie ne meurt jamais. Amen. Et je te dis honnêtement, dans ma propre vie, dans mon propre ministère, dans mon propre couple, dans ma propre carrière professionnelle, j'arrive à un point où maintenant je commence à avoir peur. Je me dis, Seigneur, ne permets pas que je fasse un pas sans ta volonté. Amen. Car bien aimé, à un certain niveau, tu sais, il y a des miracles, on croit que c'est des miracles, ce ne sont pas des miracles. Amen. Pourquoi suis-je en train de dire ça? Il y a des choses qui t'arrivent, peut-être l'euphorie, parce que tu as prié, tu te dis, c'est Dieu qui a fait. En réalité, ce sont des choses qui ne sont pas surnaturelles, c'est naturel. Je donne un exemple. Quelqu'un va témoigner, oh j'ai acheté une maison, oh hallelujah, Dieu m'a fait du bien, j'ai acheté une maison. Un païen dira, moi, j'ai fait une demande de prêt à la banque, j'ai eu mon prêt, j'ai acheté ma maison. Amen. Il n'y a rien de miraculeux. Amen. Je sens que quelqu'un dans sa liste des sacrifices, il va rayer des choses. Mes amis, il y a certaines choses qu'on a cru être surnaturelles. Ça n'a rien de surnaturel. Alors justement, quand ces choses qu'on croit surnaturelles, mais en fait elles sont humaines, elles sont normales, quand ces choses nous arrivent, vous verrez qu'au début on a l'engouement, on se dit c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu, mais tôt ou tard tes yeux s'ouvrent. Et donc au final, tu commences à dire, oh, c'est grâce à Dieu, mais quand même, j'ai fait un peu. Vous me suivez? Amen. Et quand ces choses arrivent, ces choses arrivent, ces choses arrivent, du moins, cette première catégorie de miracles, en réalité, ce ne sont pas des miracles. Il y a autre chose qui fait que quand Dieu te bénit, quand tu vois où Dieu te prend et il t'amène jusqu'où il t'amène, tu te dis, là, là, c'est pas moi. Amen. C'est pas mon intelligence. Amen. C'est pas mes diplômes. C'est pas ma petite voix que je chante. C'est pas mon prêché là que je prêche. Non, c'est pas ça. Ça, il n'y a que Dieu. Amen. Vous m'entendez? Amen. Et j'arrive à un point où je commence à me. Pas je commence. Je me dis clairement. Je dis là où Dieu est en train de m'amener. C'est pas moi. C'est Dieu. Amen. Amen. Mais du coup, je vous ai donné hier l'exemple de l'océan. Du coup, je me dis ma seule bouée de sauvetage, c'est lui. Si je le lâche. Une seconde, c'est la mort assurée. Amen. J'étais en train de dire que Christ sait également faire la volonté de son Père. Et en fait, lorsqu'on fait la volonté de son Père, c'est qu'on reste sur le chemin qu'il a tracé, pour un chacun d'entre nous. Et vous verrez que nous parlons de Christ, parce que tel il est, tel nous sommes, ça veut dire si Christ est resté sans cesse sur la volonté de Dieu, tu dois aussi rester dans la volonté de Dieu. Tu dois sentir ce côté indispensable. Tu dois sentir ce côté de « si je n'ai pas Christ, je ne peux pas respirer. » Si je ne fais pas sa volonté, pour insister sur ce que je dis, je ne peux pas être en vie. Je ne peux pas me tenir debout. Sans lui, c'est la mort. Et être comme Christ, c'est être capable de se dire ça. De se dire « non, jamais, jamais être en dehors de la volonté de Dieu. » Jamais être en dehors de sa volonté. Être attaché à Jésus-Christ seulement, mes amis, c'est se dire, ni à droite, ni à gauche, je reste sur le chemin qu'il a tracé. Ni en haut, ni en bas, je reste sur le chemin qu'il a tracé. Merci Seigneur. Ni trop vite, mais en même temps, ni lentement.
Mais au rythme que l'Éternel a voulu, je reste sur son chemin. Amen. Car bien aimé, oui, il y a des fois tu crois être sur le bon chemin, mais tu vas aller trop vite. Amen. Tu crois être sur le bon chemin, et peut-être tu es sur le bon chemin, mais tu vas aller trop vite. Et dans ce cas-là, ça fait de vous des chrétiens avortés. Ça fait de toi une banane ou des raisins, pour revenir sur notre exemple, qui n'est pas mûr, mais qui veut déjà être mangé. Et au final, frères et sœurs, tu donnes mal au ventre à toutes les personnes qui te mangent. Alors que toi, tu es censé être un fruit qui donne la vigne, qui donne le vin, qui donne le jus de raisin, qui nous permet de faire la sainte cène, qui donne des desserts, parce que tu manges des fruits, surtout lorsque nous sommes en jeûne. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu es, tu veux être cueilli trop tôt, de dessert, tu deviens un désastre. Mais également, frères et sœurs, lorsque tu veux trop prendre ton temps, lorsque tu veux trop prendre ton temps, tu risques de sécher sur l'arbre. Tu n'as plus de jus, tu n'as plus de saveur. Yeah! Tu es déjà expiré, tu es déjà périmé. Toi périmé, tu veux que moi je te mange? Jamais. Et vous devez savoir, certains chrétiens sont comme ça. La grâce de Dieu est dans ta vie, l'onction de Dieu est dans ta vie, les promesses de Dieu sont en toi, mais tu tardes, tu traînes la rancune, tu traînes le manque de pardon, tu traînes les copines, tu traînes les copains, tu traînes les cachotteries, tu traînes... Si on regarde ton téléphone là, tout de suite, là, si on prend ton téléphone tout de suite, là, il n'y a pas des choses qui sont cachées dans ton téléphone. Tu restes là-dedans, tu restes dans ces choses, 12 jours, 14 jours de gloire, 21 jours, tu dis amen, tu donnes des offrandes, mais tu traînes, tu traînes, tu traînes, tu traînes. Si tu es dans ce cas-là, tu es un fruit qui va expirer. Et lorsque le fruit bien-aimé est resté trop longtemps, il commence à pourrir. Et petit à petit, quand il pourrit, il s'assèche. Le fruit qui ne tombait pas va commencer à tomber. Boum. Et tout bon vigneron ne ramasse jamais le fruit qui est déjà tombé. Oh, amen. Ne ramasse jamais cela. Pourquoi? Il se dit, oh, il est déjà tombé, ça veut dire qu'il est pourri. Et en plus, vous verrez, tout ce qui est déjà tombé, ça veut dire quoi? Tout le monde est passé dessus. Ça veut dire que les corbeaux sont venus, ils ont commencé à picorer. Ça veut dire quoi? Les serpents sont rentrés. Vous voyez pas les pommes dans lesquelles tu crois que c'est une bonne pomme. Quand tu regardes face A, bonne pomme. Regarde face B, il y a déjà un petit trou noir. Vous connaissez le petit trou noir là? Tu vois un petit trou noir? C'est une prophétie, il y a un serpent qui est rentré. Qui dit amen. Ça a l'air d'une pomme. Essaye. Mange. Mange. Si on ne va pas te ramasser par terre. Bien-aimé, ne sois ni trop pressé. Ne sois ni trop lent. Reste au rythme de Dieu. Amen. Avance dans sa volonté. Que la volonté, merci Seigneur, que la volonté de Dieu rythme ta journée. Ne permets pas qu'une pensée, ne permets pas qu'une parole, ne permets pas qu'un acte que tu poses puisse faire que tu es hors jeu. Car frères et sœurs, même en finale de Coupe du Monde, tu peux marquer un but, mais si ce but est hors jeu, ce but sera invalidé. Tu peux célébrer le but comme s'il y avait but. Tu peux le mettre au bout, au fond des filets. Tu te dis, ouais, il y a but. Certains même vont saluer leur femme. Oh, chérie, ma mère, prime, ma mère, prime. Tu peux célébrer. Mais quand l'arbitre commence à faire... Il va regarder, encore en 2019, il regarde la vidéo. Quand il regarde, il observe. À l'oreillette, on lui dit, offside, il est hors jeu. Tu peux avoir célébré comme tu veux. Ton but est nul et sans effet. Amen. Aujourd'hui, on a parlé. Hein? Amen. Aujourd'hui, on a posé. Hein? Amen. J'ai fini ce que j'avais à dire. Amen. Amen. Amen.